Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Non, avant l'heure. Non, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça. Allez, chers collègues, mesdames, messieurs. Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bonsoir aux internautes. Un conseil municipal de rentrée assez léger, ma foi. Voilà, on va voir ça rapidement. En tout cas, merci d'être présents, pour ceux qui sont présents, forcément. Et justement, je vais vous présenter les excuses d'Abdelaziz Abderrahmane, qui a donné un pouvoir à Khalidou Gueye, d'Antonia Bergano, qui a donné un pouvoir à Denis Cupre, de Waïba Afouf, qui a donné un pouvoir à Julien Kawane, d'Audrey Thébault, qui a donné un pouvoir à Patrick Necker, et de Touria Bami, qui a donné un pouvoir à Corinne Marche. Voilà, donc pour les personnes excusées. Certaines ne le sont pas, mais bon. Alors, s'agissant du procès-verbal du conseil municipal du 1er juillet, la secrétaire de séance était Flore Lawin, elle va certainement nous rejoindre. Avez-vous des remarques, des questions? Je dois le soumettre au vote. Je n'en vois pas, donc des abstentions, des votes contre. Il est adopté, je vous en remercie. Donc, c'était en effet 1er juillet. Alors, ensuite, comme habituellement, donc la liste des décisions de la maire que l'on soumet à votre examen. Oui, un problème? Ah, ben voilà, un problème, secrétaire de séance. En effet, merci, monsieur Malissel. Monsieur Christophe Soyer est volontaire pour être secrétaire de séance. Merci beaucoup. Ah, heureusement que certains suivent. Voilà, secrétaire de séance. Alors, la liste des décisions de la maire, compte rendu de sa délégation de pouvoir, avez-vous des questions? Monsieur Soyer, peut-être? Non? Pas du tout. Je n'en vois pas. Ah, monsieur Duval. Une explication, si possible, concernant des formations pour apprentissage, d'après ce que je vois. Donc, il y a deux montants absolument différents. Donc, je voudrais avoir une explication par rapport à ça. Alors, c'est autorisation de formation de Madame Oumou Kalri et l'autorisation de formation, la suivante, de Monsieur Dylan Germont. Et le second, pardon, Pierre ? Dylan Germont. OK, ça y est, j'ai les deux. Ils se suivent. OK. Oumou Kéri Tal, voilà, elle travaille au sein du service urbanisme. Elle étudie pour obtenir un diplôme de master droit de l'environnement et de l'urbanisme et dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Voilà. Alors, le montant est de, je présume que c'est une partie des rémunérations, enfin, je ne sais pas, de 19 000 euros TTC. Oui. Pris en charge à 50% par le CNFPT. D'accord. Et par contre, le suivant, le montant du suivant est un peu bizarre. Enfin, où il y en a un qui est vraiment bien payé ou l'autre pas du tout, mais peut-être quelque chose quand même. Contrat d'apprentissage, oui, ça dépend peut-être des personnes. En effet, là, j'ai ma DGS qui me souffle. Pourquoi M. Dylan Germont? Il est en brevet. Donc le brevet, c'est pas le master, on est bien d'accord. Mais, d'accord, mais... on est en apprentissage quand même. 10 fois le montant différent. C'est extrêmement encadré. C'est énorme. Ça veut dire que celui qui fait un brevet professionnel dans l'agriculture, faut vite qu'il essaye de changer de métier, quoi. Dans le terme de l'apprentissage, je suis quand même très étonné. Avoir un tel écart. Oui, alors c'est pas la même chose. On n'est plus dans les salaires, là. On est dans des pourcentages, en général, dans les... C'est pas la même chose. Alors, on va faire une suspension de séance. C'est la gestion des ressources humaines. C'est compliqué, tout ça. Donc, on va faire une suspension de séance pour que Mme Béatrice Kiatol, directrice générale des services, nous apporte des explications. Puis nous reprendrons notre séance. Béatrice Kiatol. Merci.
Juste préciser que les montants inscrits ne sont pas les montants des salaires versés aux alternants ou aux apprentis. Il s'agit du montant qu'on va payer à l'école de formation. C'est ça. Voilà. Et ces montants pour tous les alternants sont pris en charge à 50% par le CNFPT, puisque c'est une pratique encouragée. D'accord. Voilà. À l'organisme qui forme. Voilà, c'est ça. D'accord. Et l'organisme qui forme, il rémunère l'alternant? C'est nous qui rémunérons de manière encadrée, effectivement, ce que dit M. Durial. Il y a des codes, il y a des quotas en fonction du diplôme préparé. Donc ça, c'est ce qu'on verse aux écoles. C'est ça. Voilà, c'est le coût de la formation. Peut-être on pourrait le préciser, quelque part. Peut-être c'est précisé, mais je ne l'ai pas vu. Donc, Ok, pour plus de clarté. Pour la prochaine fois. Bien, donc nous... C'est précisé, tout compte fait. C'est précisé? Ok, merci du renseignement. Si, oui, c'est renseigné. Bien, nous allons donc clôturer la suspension de séance. C'est un peu formel, excusez-moi, mais il faut faire attention tout de même à respecter la forme. Et dans le cadre de la poursuite de notre séance, je vais donner la parole à Madame Desmoulins qui a levé la main. Ah non, ah, je la voyais comme ça. Ah. Écoutez, d'accord, je suis troublée là, je suis troublée. Très bien, ça va bien se passer. Hein. Bon, ok. Donc, merci Monsieur Durial, ça nous a permis d'éclaircir le sujet. Et donc, chers collègues, j'espère que vous approuvez toutes ces décisions et je vous propose de passer au point suivant. Je vous remercie. Alors, la liste des marchés ensuite, hein, c'est bien ça. Voilà. Alors, les marchés, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Voilà, on voit qu'on confie à nouveau à certains de nos boulangers qui ont candidaté, hein, donc la fourniture du pain pour le service restauration, voilà, à l'attention donc des enfants de la ville. On a deux boulangers, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui sont retenus, c'est bien ça. Tradition de Moissy, avenue Philippe Bure et Étoile du Pain, place de la Fontaine. Voilà, les autres boulangers n'ayant pas manifesté leur intérêt pour cet appel d'offres. Ce marché, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Bah écoutez, on va passer donc également, ce n'est pas un vote, hein, si on prendra acte, je pense, sur la liste des marchés. Voilà, c'est fait. Et puis ensuite, le non-exercice du droit de préemption urbain. Alors, est-ce que ça bouge un peu du côté de l'immobilier? Oui, pas énormément. Hein. Pas énormément. Hein. Voilà, bah oui. L'immobilier, c'est un peu figé dans notre pays en ce moment. Pas si vous avez des questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11, droit de préemption urbain, bien sûr. La commune n'a pas fait appel de ce droit. Pas de questions particulières? Eh bien, écoutez, on va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. En effet, 11 points. Voilà, et on va commencer par l'aménagement, s'agissant de la ZAC de Chanteloup. C'est Betty Chapp qui va rapporter sur la création d'une aire de jeu. Betty. Merci. Donc, effectivement, nous parlons d'une aire de jeu dans le quartier de Chanteloup. Dans cette délibération, il vous est proposé une convention financière, en fait, de participation de l'EPA à cette aire de jeu, puisque cette délibération vous rappelle également que le quartier de Chanteloup s'inscrit dans une opération d'intérêt national et que, à ce titre, l'établissement public d'aménagement, l'EPA, qui assure donc son développement, s'est engagé à participer financièrement et a inscrit pour cette aire de jeu un montant de 55 000 euros. Que vous trouvez dans cette convention, montant ferme et non révisable, qui va donc servir à financer cette aire de jeu. Alors, la délibération qui vous est proposée, c'est donc cette convention de financement,
Bien évidemment, ça vaut le coup de parler deux secondes de cette aire de jeu qui va se situer au-dessus de la résidence Bévy du promoteur Artenova, c'est-à-dire la dernière vers l'est, où la rue des Meuniers n'est pas encore poursuivie, vous voyez, vraiment à l'intersection Meunier et Louis-Léon Chandora. Elle se situera là, à quelques mètres donc, du groupe scolaire. C'est un lieu qui a été largement discuté à la fois avec l'aménageur, avec les contraintes urbaines, les terrains disponibles, etc., et aussi les habitants. Et d'ailleurs, une large concertation a eu lieu auprès des habitants pour proposer des jeux. Et donc, nous avons eu 280 réponses. Donc, c'est une concertation qui a intéressé les grands comme les petits. Ça nous permet d'avoir une priorisation sur les jeux que l'on pourra financer. Alors, peut-être d'ores et déjà à la mise en service pour laquelle nous visons, on l'espère, avant la fin de l'année. Mais bon, ça dépend aussi des délais de commande, etc. Et puis, ça nous donne aussi vraiment une illustration de l'envie des enfants et des gens sur ce quartier. Et donc, une ligne de conduite à tenir dans le futur. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec cette délibération qui concerne uniquement la convention de financement, eh bien, cela permettra à Madame la maire de signer les documents à cet effet. Merci, Betty. Deux petits compléments. Vous l'avez compris, chaque quartier de Moissy est doté au moins d'une aire de jeu. Et donc, il nous paraissait évidemment tout à fait juste et équitable de doter ce nouveau quartier, le quartier de Chanceloup, également d'une aire de jeu. Ça nous était réclamé depuis quelque temps par les habitants, tout à fait justement. Donc ça a pris un petit peu de temps, en effet, de trouver le bon endroit, mais je crois que nous l'avons trouvé. Et je voudrais juste compléter en expliquant que là, en effet, ce seront 55 000 euros qui seront versés à la ville par l'aménageur. Mais au total, je crois que l'aménagement de cette aire de jeu représentera 80 000 euros, c'est ça ? À peu près. Donc la ville, quand même, sur son budget propre, va cofinancer cette aire de jeu. Voilà, pour être tout à fait complet. Avez-vous des questions ? Et donc, en effet, ce sont les habitants qui ont choisi les jeux qui vont être implantés donc, sur ce site. Voilà. Et on a eu un très bon retour, oui, bien sûr, les personnes étaient intéressées, 280. Voilà, bah écoutez, je soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Elle est approuvée, je vous remercie. Toujours Betty Schaap, s'agissant des données cadastrales, la délibération numéro 2, une convention à conclure avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Alors, c'est une délibération, je crois qu'on a déjà eu par le passé pour une précédente convention. Donc, les données de l'État en matière cadastrale sont donc mises à disposition de notre communauté d'agglomération pour un montant de 366 000 euros, je crois. Et en fait, 666 000, je ne retrouve pas mes notes, peu importe. Et donc, la communauté d'agglomération fait le choix de remettre à disposition ces données des communes qui le souhaitent et de le faire gracieusement, en fait. 666, hein, merci. Oui, 666 euros. Merci, excusez-moi, je suis confuse. Donc cette délibération, eh bien, vous propose une convention de mise à disposition des données. Donc, à titre gracieux, le financement étant assuré par la communauté d'agglomération, la convention fixe les formats d'échange sur le portail ou en fichier, et puis les règlements relatifs à l'usage de ces données, les confidentialités, etc., etc. Voilà, c'est une convention habituelle, et je précise que, bien évidemment, ces données cadastrales, c'est l'outil de travail de la direction de l'urbanisme, évidemment. Exactement, j'allais le dire. On ne peut rien faire sans ça. Exactement. Voilà. Donc, les données cadastrales, participation financière finalement très légère, hein, 666 euros. Donc, c'est très bien que l'agglomération mette à disposition de l'ensemble des communes donc leurs données respectives. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre ? La délibération est approuvée. Merci beaucoup, Betty. C'était pour l'aménagement. On va passer à la commission ville avec le programme Cités éducatives, la candidature de la ville de Moissy-Cramayel et ses
Carole Moïse qui rapporte. Merci Madame la maire. Donc c'est l'objet, c'est le programme de la cité éducative et c'est une candidature de la ville de Moissy-Cramayel. Donc lancée en 2018, les cités éducatives sont nées de la nécessité d'avoir une action renforcée en matière éducative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et constitue un label d'excellence pour les territoires concernés. Elle vise à la mobilisation de l'ensemble des acteurs et institutions engagées autour de l'école pour assurer la continuité éducative de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle dans tous les temps et les espaces de vie. Les cités éducatives visent trois grands objectifs: conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. L'État souhaitant poursuivre le déploiement des cités éducatives, la ville de Moissy-Cramayel a été présélectionnée et envisage de saisir de l'opportunité que représente cette démarche pour mieux coordonner et renforcer les dispositifs existants, tout en imaginant de nouvelles actions afin d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement aux enfants et aux jeunes. À cette fin, la collectivité pourra obtenir des subventions de l'État pour soutenir les projets engagés et constituer un fonds de cité éducative. La gouvernance du dispositif reposera sur trois pilotes: la collectivité porteuse, l'autorité académique et le préfet de département. Pour obtenir le label cité éducative, il est nécessaire de déposer un dossier de candidature. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'approuver les termes de cette délibération et d'autoriser Madame la maire à signer tout document y afférent. Merci Carole. En effet, c'est un dispositif nouveau, en tout cas pour Moissy-Cramayel, puisque dans le cadre de la politique de la ville, et nous sommes éligibles à la politique de la ville, vous le savez bien, on peut en effet candidater à ce dispositif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un coup de pouce financier de l'État sur les dispositifs d'accompagnement à la scolarité. Et on en a plusieurs à Moissy, je vous le rappelle. On a surtout le programme de réussite éducative, le projet éducatif du territoire, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Voilà. Donc, on est déjà largement inscrit depuis de nombreuses années dans ces dispositifs de soutien aux élèves donc, qui en ont besoin. Et donc, c'est un petit peu une opportunité, je dois dire, c'est pourquoi on a candidaté, d'obtenir des crédits supplémentaires, notamment pour soutenir notre programme de réussite éducative qui, depuis sa création à Moissy, rencontre un grand succès. Donc, tant mieux si on peut obtenir des crédits supplémentaires de l'État. Cela dit, chers collègues, je dois vous dire qu'à ce jour, à ce soir en tout cas, nonobstant ce qui se passe au plus haut sommet de l'État, voilà, changement de gouvernement, peut-être changement de stratégie, on ne sait pas, on ne sait rien. Voilà. Donc je rencontrais là le préfet délégué à l'égalité des chances lors du congrès des maires vendredi. Évidemment, je suis allée à sa rencontre. Je lui ai dit, monsieur le préfet, voilà, est-ce que tout ça va être maintenu? Il m'a dit, je ne sais pas. Voilà. Mais écoutez, ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. De candidater quand même. Et puis, le moment venu, quand le gouvernement donc, finira par atterrir et par délivrer ses messages, eh ben, on verra bien. Mais en tout cas, bon, voilà, normalement, on devrait en effet être éligible. Voilà. Pour combien d'argent, je ne sais pas. On a une idée ? 100 000 euros la première année. Ah oui, 100 000 euros la première année, c'est pas rien quand même. 100 000 euros en fonctionnement pour soutenir le programme de réussite éducative, c'est en effet important. Donc voilà, une délibération qui nous permet déjà de prendre rang. On a déjà travaillé le dossier, bien sûr, avec les services de l'État. On est très bien positionnés, très très bien positionnés. Maintenant, voilà, on attend la déclaration du Premier ministre demain, je crois. Eh bien voilà, demain. Et nous, on délibère ce soir. Mais c'est pas grave, il faut le faire. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? La délibération est adoptée. Merci, Carole. Alors, la délibération suivante, il s'agit de la participation départementale au fonctionnement des équipements sportifs utilisés dans le cadre de l'éducation physique sportive au collège, la convention 2023-2024. C'est Philippe Delpy qui rapporte. C'est une délibération habituelle, n'est-ce pas, Philippe ? Oui, affirmatif. C'est une délibération qu'on prend chaque année avec le département pour les collèges des Mayettes et de la Boétie.
Simplement à souligner une petite hausse légère donc, par rapport à l'an dernier, de ce que j'ai vu. Voilà, mais sinon, c'est une convention que l'on prend chaque année. Donc, mes chers collègues, je vous invite à valider la chose pour que Madame la maire puisse signer la convention et tous les documents y afférents. Merci Philippe. Oui, ça représente quand même 38 000 euros. Quand même, une somme conséquente. Oui, on n'est pas loin de 40 000 euros. Ouais. Il faut rendre hommage là au conseil départemental présidé par Monsieur Parigi. C'est vrai que c'est assez récent, hein, Julien, cette disposition. Avant, bah, on mettait nos gymnases à disposition des collèges, mais voilà, c'était gratuit. Et puis, depuis quelques années, donc, le département nous rembourse, participe quelque part aux frais d'entretien de ces collèges. Donc, c'est une bonne chose. Et là encore, je fais allusion au congrès départemental des maires de vendredi. Monsieur Parigi, le président du conseil départemental, a pris la parole. Et voilà, il a affirmé fortement, je vous le dis pour vous tous et pour l'administration particulièrement, il a pris l'engagement de ne pas baisser les subventions et les différents mouvements financiers entre le conseil départemental et les communes. C'est très bien. Voilà. Ce n'est pas le cas partout, mais en Seine-et-Marne, voilà. Merci, Monsieur Parigi. Voilà, donc je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Donc, cette participation, cette convention est approuvée. Merci beaucoup. Alors ensuite, on va passer à un partenariat avec le Théâtre Sénart. Là aussi, je crois que c'est une délibération habituelle. C'est Natacha Riodin qui rapporte. Merci, Madame la maire. Donc, dans le cadre de leur activité, le Centre social de l'espace arc-en-ciel de la ville de Moissy-Cramayel et le Théâtre Sénart Scène Nationale souhaitent concourir conjointement à une meilleure intégration des publics en précarité ou souffrant d'isolement social dans le cadre des spectacles, manifestations et actions artistiques organisées par le Théâtre Sénart afin de permettre à tous les publics d'avoir accès à la culture et est un objectif partagé par le Théâtre Sénart et la ville de Moissy-Cramayel. Donc, l'espace arc-en-ciel accompagne chaque année un groupe d'habitants donc, à aller voir un à deux spectacles et sélectionne aussi d'autres spectacles pour lesquels ils peuvent se rendre en toute autonomie. De plus, nous pouvons ajouter dans la convention que les familles qui fréquentent donc, l'espace arc-en-ciel peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel afin de se rendre à tous les spectacles proposés au théâtre. Donc, c'est une convention qui fonctionne plutôt pas mal et qui plaît aux habitants. Et chaque année est organisée en lien avec le Théâtre de Sénart une présentation de la saison à venir à l'espace arc-en-ciel vers la fin juin et qui permet aux habitants en fait, de rencontrer les personnes du Théâtre de Sénart et qui facilite aussi le premier contact avec le théâtre. Cette rencontre aussi se termine par un apéro dînatoire. La convention donc, de partenariat proposée donc, définit les engagements entre les deux parties et notamment donc, les modalités de participation financière de la commune sur l'ensemble de la programmation de la saison 2024-2025, sachant qu'elle demeure identique à celle appliquée pour la saison dernière. Donc, le conseil municipal est sollicité afin d'autoriser Madame la maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci Natacha. En effet, chaque année, on s'interroge hein, sur la qualité de ce partenariat et surtout le fait que les familles de Moissy, exercent cette possibilité hein, de profiter des spectacles à un tarif imbattable, on va dire. Ce sont des spectacles de grande qualité. Je crois aussi qu'on organise des transports enfin, à certains moments. Je sais aussi que la scène nationale vient à nous hein, en organisant un spectacle ou quelques spectacles à la Rotonde. Voilà, le partenariat est très, très dynamique, il faut le souligner. Et on a beaucoup de chance d'avoir un équipement culturel de cette qualité, donc à proximité. C'est bien ça. Merci Natacha. Donc sur ce partenariat avec le Théâtre Sénart, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, on retourne vers le sport. Il s'agit donc d'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Ailes de Sénart. Philippe Delpy. Oui, donc l'association Les Ailes de Sénart nous a sollicité fin 2023, en l'occurrence en novembre 2023,
pour donc leur donner un petit coup de main donc pour acheter donc un deltaplane donc biplace d'une valeur de 4 700 euros. Donc ils nous demandent donc si on peut les aider donc en concurrence de 1 000 euros, sachant que cette association ne nous a jamais réclamé d'argent jusqu'à présent, hein, donc elle nous réclame. Et en plus, qui plus est, cette association, dès qu'on la sollicite, elle est toujours là donc, pour nous aider et se propose donc, par rapport à cet achat, de proposer donc, à nos seniors également donc, le service jeunesse de pouvoir, et le sport bien entendu, de pouvoir faire donc, un baptême donc, de l'air avec effectivement une personne donc, habilitée. Voilà. Donc je trouve que une subvention de 1 000 euros, c'est quand même pas mal. Donc je vous propose de valider la chose et de demander à Madame la maire de signer tous les documents y afférents. Il s'agit de 1 000 euros, c'est exceptionnel. Ça permet d'acheter donc un parapente biplace. Un parapente, oui, voilà, biplace. Mais alors tu m'inquiètes là, les seniors pourraient... Ben, c'est ce qui m'a été dit. Oh là là. Ce qui m'a été dit. Un binôme. Ouais. Binôme. Ça veut dire qu'il y a, déjà un pilote. Voilà. On me souffle que c'est pour ça qu'on a écrit que le service jeunesse. Hein. On va commencer par les jeunes, on verra après. D'accord ? Quand on a rencontré l'association, c'est ce qu'elle nous a dit, c'est pour ça. Ok. Non, mais on sait que c'est possible. Enfin, voilà. D'accord. Bon, oui. Donc, prudence, mais on va y aller. Donc, c'est exceptionnel. C'est une association qui nous propose un partenariat. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc partons comme ça pour cette année. Julien, tu valides. Bien, parfait. Y a-t-il des demandes de parapente? Non, pardon. Non, je n'en vois pas. Ah, Madame Marche, ça vous intéresse? Une petite question, le fait de savoir où se situera la pratique de cet exercice. Alors, pour l'instant, donc, j'ai posé la question, donc on doit les rencontrer et donc ils nous diront exactement où ça va se passer. D'accord. Alors, c'est pas à moi si. Pour l'instant, non. Apparemment, parce qu'il y a des pentes, quand même. Tout à fait. Oui, on a ce qu'il faut, mais pour l'instant, apparemment, c'est trop dangereux. Je pensais effectivement, voilà. Donc, ils ont un terrain exprès. Donc, dès que j'aurai les informations, je vous les communiquerai. On doit les rencontrer à nouveau pour vraiment mettre en place la convention qu'on va signer avec eux. Merci. Très bien, Madame Marche, on vous donnera le renseignement. Et on note votre intérêt pour la chose. Allez, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Allez, pour donc les ailes de Sénart, c'est une affaire qui plane, on va dire. Allez, alors là, on va passer à autre chose, c'est moins planant, c'est le collectif Roumanie, mais c'est pas mal non plus. L'attribution d'une subvention exceptionnelle, Julien Kawan. Merci, Madame la maire. C'est dans le cadre d'un séjour organisé par le service jeunesse. Des jeunes moissiens sont partis du 22 au 26 juillet 2024 en Roumanie. J'y ai arrivé, oui, bien sûr. Il était proposé d'accorder une subvention exceptionnelle de 2050 euros au collectif Roumanie Moissy-Busteni, car ils ont pris en charge les frais de sortie et la location de car. Donc voilà, sur cette délibération, je vous invite à la voter afin que Madame la maire puisse signer tous les documents concernés. C'est une souplesse, ouais. En effet, c'est l'association qui avance les frais. Tout à fait. De transport, les billets d'avion, j'imagine, voilà. Hein. Et nous, on la rembourse, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une activité du service jeunesse. Ouais. Vous savez qu'on a des jumelages extrêmement dynamiques, qu'on favorise des échanges de jeunes, et singulièrement, donc, avec la Roumanie, ça marche très bien. Il y a le lycée aussi qui organise des échanges, n'est-ce pas? Et donc là, c'était le service jeunesse cet été. Ça s'est très bien passé, à ce que j'en ai vu. 7 jeunes sont allés à Bouchten, notre ville jumelle. Et c'est très profitable. On dit que les voyages forment la jeunesse. Ça doit être vrai. Et cet été, à notre tour, nous allons accueillir les jeunes de Bouchteni. Voilà, bien sûr, réciprocité. Cet été, c'est nous qui accueillerons les jeunes de Bouchten. Très bien. Voilà, donc vous voyez, c'est juste... rembourser une avance de frais assumée par l'association pour plus de souplesse. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il donc au niveau du vote des abstentions, des votes contre? La délibération est adoptée. Alors ensuite, on va venir plutôt vers la commission solidarité, justement pour le fonds de solidarité logement. Là aussi, une subvention qui est prise chaque année.
C'est Khalidou Gueye qui rapporte. Khalidou. Merci, Madame la maire. Convention d'adhésion de la ville au Fonds de solidarité logement FSL pour l'année 2024. Le Fonds de solidarité pour le logement est un fonds social géré par le Conseil départemental de Seine-et-Marne. Il intervient auprès des ménages en difficulté sous la forme d'aides financières individuelles pour l'accès ou le maintien dans le logement, aussi bien dans le parc privé que public, mais également pour le paiement des factures liées aux consommations des fluides et d'énergie, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires. En 2023, 125 ménages ont été aidés dans le cadre de ce dispositif, pour un montant total de 111 696,48 €. La présente convention a pour objet de formaliser pour 2024 l'adhésion de la commune au FSL, étant précise que pour l'année 2024, la participation de la commune est fixée à 5 517 €, 0,30 € par habitant, soit 18 390 habitants. Merci Khalidou. Oui, ben ça, voilà, la participation, elle est largement amortie, si je puis dire. Hein. On adhère pour 5 517 € et on voit donc que 125 ménages en ont profité en 2023 pour 111 696 €. Donc là encore, on voit la force de l'impact de la politique sociale du Conseil départemental. C'est très important de maintenir ces aides, n'est-ce pas Patrick? Voilà. Nos familles en bénéficient. Voilà, sur cette adhésion, les questions, c'est très clair. Merci beaucoup, Khalidou. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? La convention d'adhésion au FSL est donc adoptée. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux finances. Il s'agit de prestations d'impression et donc d'une convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la passation du marché de prestations de services. Avec qui, alors, cette convention? Tout était presque dit, Madame la maire. Oui, non, mais il manque quand même l'essentiel, c'est-à-dire le partenaire. Donc, en effet, une convention constitutive d'un groupement de commandes avec nos voisins de Lieusaint et amis de Vers-Saint-Denis. Non pas que voisins ne sont pas nos amis, mais ça a évité la répétition, pour des prestations d'impression. C'est un dispositif qu'on a mis en place en 2021 et qui existait déjà avant, qui nous donne entièrement satisfaction. Il y a 3 lots. Moi, si fait le choix de n'adhérer qu'aux deux premiers lots, à savoir divers supports pour le lot 1, divers supports d'impression, et pour le lot 2, c'est tout ce qui est bâche et banderole. Le lot 3 concerne le journal municipal, auquel nous n'adhérons pas pour des raisons un peu d'agilité dans la gestion au quotidien. Cette convention constitutive donc, entre les 3 communes, c'est la ville de Lieusaint qui sera chargée d'en être le coordonnateur. Il l'avait fait en 2021, il l'avait fait très bien, il l'avait fait gratuitement, il continue à le faire gratuitement, donc ça nous va. Donc Lieusaint sera chargé de publier le marché, analyser les offres, et après, chaque ville sera autonome dans la gestion des marchés et de ses commandes. C'est vraiment pour la partie groupement de commandes et lancement du marché que Lieusaint interviendra à ce titre. Quelques éléments financiers sur le précédent marché depuis 2021. Donc sur le lot 1, nous avons dépensé 91 000 €. Sur le lot 2, 14 000 €. Ce qui fait des montants autour de 20 000-25 000 € annuels de tarifs d'impression. Donc assez compétitif. C'est l'ambition de la mutualisation entre les communes. On est donc engagé avec nos deux partenaires et on continue. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à fonctionner. Donc l'union fait la force. Mais tout de suite une question, pourquoi seulement 3 communes? Parce qu'il y a différentes... Déjà, il y a un aspect historique entre les 3 communes. Il y a d'autres offres qui existent. Grand Paris Sud fait des offres aussi de prestations sur des marchés pour des plus gros volumes. Et les autres communes autour ne souhaitaient pas forcément adhérer à un groupement pour garder la main sur leur marché. Donc voilà, Et nous, on est contents de la formule. Et nous, on est contents de la formule. Parfait. Très bien.
Bien, bah écoutez, sur cette convention pour la passation d'un marché de prestation de services, donc qui concerne de l'impression, de la livraison de documents, voilà, divers supports de communication et d'information. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Cette convention est adoptée. Merci. Alors, une dernière délibération au niveau des finances. Il s'agit de créances éteintes. Là aussi, hein, parfois, on délibère sur l'effacement de dettes entraînées donc par ces créances qui sont éteintes. Oui, très rapidement, suite à une commission de surendettement du mois de mai 2024, le comptable public nous a informé d'une créance éteinte, donc d'un effacement de dette, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, contrairement aux admissions en non-valeur, on ne peut plus recouvrer les sommes. On est sur deux titres pour un montant total de 121,21 € qui concernent de la restauration municipale. Bien, c'est ça qui va changer la face du budget municipal. Bon, très bien. Des questions? Je n'en vois pas. Votre contre-abstention, la délibération est approuvée. Et pour finir, donc, la délibération numéro 11, il s'agit d'une légère modification du tableau des effectifs. Voilà, donc au niveau de la DGA ressources, c'est la création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet suite à la mobilité interne de l'agent. Voilà, Madame Fadoua. Et puis au niveau de la DGA services à la population, le pôle éducation, la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet pour procéder au remplacement d'un agent absent. Voilà, donc c'est une modification tout à fait légère cette fois-ci. Questions? Je n'en vois pas, je passe au vote. Abstention, vote contre, la délibération est approuvée. Bien écoutez, chers collègues, la séance donc du conseil municipal, attendez, est quasiment terminée, en tout cas s'agissant des délibérations, la séance, en effet. Donc, peut être considéré comme clôturé. Par contre, je me dois de vous donner une information, parce que ça me paraît important, même si on a, je crois, assez bien communiqué. En cette fin de semaine, j'attire votre attention sur une manifestation qui est une première, organisée à Moissy-Cramayel, à l'initiative d'ailleurs de la commune de Moissy, mais avec l'agglomération Grand Paris Sud. Vous avez vu peut-être des affiches, des banderoles. Ça s'appelle les experts. Alors, moi, je ne savais pas très bien ce que c'était des experts, mais il s'agit de la sécurité, de la prévention, etc. Donc samedi de 10h30 à 18h dans l'enceinte de la caserne des pompiers, qui est un excellent endroit pour ce genre d'événement. Voilà, on a invité tous les métiers de la sécurité et des secours. Et ça va être vraiment un très bel événement, très dense, que beaucoup de communes nous envient et qui d'ailleurs certainement sera repris par d'autres communes alentour dans les années à venir. Donc venez, faites venir. Sachez que c'est donc le samedi, mais donc c'est une initiation, des découvertes hein, au métier de la sécurité. Dès le vendredi, donc la police nationale, la police municipale interviendront donc dans les collèges de Moissy. Vous savez que la tranche d'âge des collégiens est particulièrement adaptée pour être sensibilisés à ces métiers, à leur mission. Voilà, donc on intervient dès vendredi au sein des collèges. Je tiens d'ailleurs à remercier les équipes enseignantes, hein, les principales de nos collèges, qui sont parfaitement intéressées, qui jouent parfaitement au jeu avec nous, qui vont accueillir donc ces partenaires. Et puis le lendemain, donc, il y aura une vingtaine d'entre eux qui seront présents. Michel Bisson, le président de l'agglomération, donc, sera à mes côtés, ou je serai à ses côtés pour inaugurer la manifestation. Il y aura une représentation de la préfecture de Seine-et-Marne. Voilà, beaucoup de monde. On a été agréablement surpris de voir l'engouement autour de cette initiative et la participation vraiment très volontaire des plus hauts gradés, j'allais dire, hein, pompiers, police nationale, justice, services centre pénitentiaire, etc., etc. Il y aura des démonstrations de scènes de crime. Il y aura des chiens, il y aura des chevaux. Enfin, voilà, on espère que ça va beaucoup intéresser et que, donc, nous aurons la chance d'accueillir beaucoup de public. C'était pour cela que je voulais attirer votre attention. Venez et soutenez la manifestation. Voilà, bien écoutez, cette fois-ci, on peut clôturer la séance. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Et vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal. On se rapprochera bientôt de la fin de l'année et du vote du budget. Voilà.
À bientôt, bonne fin de soirée.